La situation est gravissime pour le football français et je pense que le gouvernement, mais aussi beaucoup de gens, n'ont pas mesuré l'ampleur des dégâts que cela va provoquer si cette taxe est appliquée. Donc il fallait effectivement pousser un grand cri de désespoir, pas simplement pour les clubs ou simplement pour nous, mais pour tous les 25 000 emplois que nous représentons, directs et indirects, pour tous ces salariés qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on parle des joueurs, mais il y a tous les administratifs derrière. Et donc demain, le football français peut devenir le troisième division du football européen. Est-ce que c'est ce que l'on veut pour nos jeunes de demain, pour les générations qui viennent? Moi, je l'ai connu quand j'étais jeune. J'ai pas envie, mon devoir est de faire en sorte que les jeunes ne connaissent pas ça demain. Donc nous nous battons pour tout cela, c'est notre devoir.